J'étais à Marrakech, où j'étais en vacances sûrement. Et sur la place du marché, je me suis intéressé quoi, à ce qui se passait. J'ai entendu cette musique, ça m'a plu. Et je suis resté toute la soirée à côté, à écouter. Et le lendemain, j'ai remis ça le soir. Mais j'avais apporté ma guitare sèche. Et donc, au bout d'une heure à traîner comme ça, j'ai osé la sortir de l'étui. J'ai osé commencer à jouer avec eux. Et puis, au bout d'une demi-heure ou une heure, quoi, y a le chef, celui qui joue à Jouge, qui me brille, il m'a regardé, il m'a fait comme ça, genre content. J'étais ravi, j'ai joué plus fort. Et puis, vers minuit, ils m'ont offert des dates. Donc, je me suis senti accepté. Et j'étais vraiment ravi parce que je me sentais très jeune par rapport à cette musique. Rythmiquement, j'étais pas à la hauteur. Vraiment, j'étais pas à la hauteur rythmiquement. Et depuis, c'est entré un peu plus en moi. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup apporté dans ma musique. Fait de croire ou de ne pas croire, il y a dans la magie des Gnawa énormément de poésie. Et la Lila, c'est des cohortes de génies qui se relaient comme ça, comme des caravaniers qui traversent le désert, mais là, c'est une traversée de l'imaginaire et de la nuit, et qui va vers la lumière. Et cette traversée de la nuit noire vers la lumière de l'aube, c'est elle qui est censée libérer l'être possédé des esprits qui le possèdent. Tout leur rituel est codé, tout est précis, chaque pas correspond à quelque chose, chaque objet rituel qu'on apporte ou qu'on enlève a sa raison d'être. Chaque mouvement était significatif et signifiant. Faire ce que font les Gnawa, c'était retrouver à l'origine de la création, savoir ce qui s'est passé à l'origine de la création. C'est une théâtralisation de la naissance de l'univers qui se passe pendant la nuit et qui est en même temps celle de l'homme. C'est-à-dire comment l'univers est apparu, fragmenté en sept. Une bonne lila, c'est quand on a su accueillir, quand on a accueilli toutes les couleurs. C'est-à-dire que vous avez été partagé en sept et puis ensuite réunifié et là vous êtes refait, vous êtes neuf, vous êtes terre de résurrection. On croit au pouvoir spirituel, mystique, sacré du feu, du sang, du lait et des éléments vitaux dont dispose l'homme. Par exemple, le sperme et le lait sont représentés par l'offrande de lait. Avec les dates symbolisent le sang.
Le sang, c'est le feu, c'est la lumière. Lorsqu'il a été versé, le monde a été manifesté, a existé, on l'a vu. Ma mère est morte, mon père aussi est mort, il m'a laissé moi et petite gousse. J'en ai 5 ans. Alors je rentrais dans le palais du roi du Maroc, à Marrakech. Oui, alors j'ai trouvé beaucoup de gnawa, des esclaves, avec le palais du roi. Je retrouvais, j'entendais la musique, j'utime la musique toujours bien. J'entends la musique, j'utime. Tu commences à prendre, j'y joue bien. Il a trouvé beaucoup de gnawa, il m'a dit, voilà, toi tu vas venir, il m'a dit, de gnawa, je te dis oui. Il dit, voilà, fais que ça et ça, je commence à jouer. Ça y est, je le prends. Moi aussi, je suis un petit malim. Sam, je l'ai respecté beaucoup, parce que c'est un grand maître qui a fait beaucoup de choses pour la musique de gnawa. C'est le maître de tous les musiciens de gnawa et les maîtres au Maroc. Pour moi, c'est le roi de gnawa ici au Maroc. Le maître Gnawi n'est pas en fait le vrai maître. C'est la voyante, c'est la Talla qui est une sorte de déesse magicienne des Gnawa, une sorte de prêtresse, voilà. C'est la vraie prêtresse est une femme. C'est elle qui a à son service la troupe musicale. Le possédé va consulter auprès d'elle pour se réconcilier avec les esprits. Il doit faire une soirée musicale et il doit sacrifier ceci ou cela. Donc, c'est cette prêtresse, la Mukadma, qui ordonne la lila et qui l'organise. الكلام وكانت قيادة بزاف ملي عرفت راسي بنا ما بقاش هادشي ديال الطبيب درت ليله وليت لاباس كيفاش بديت رجع عندي الناس للدار نخدم ليهم وربي كيجيب الشي فلوس ونهار اللي وفى الله العجال جا داك الشي كيقول لك انت خدمي وحنا ندبروا راسنا وصافي الخدمة ديالي ما نقدرش نصرفها أنا شرحتها غادي نمرضت أنا بصحتي الحاجة اللي في الدات ما كتعودش الحاجة ديال الخدمة ديال الإنسان ما كتعودش بركة الله سبحانه الله هو شغل نقول لك داكشي ديال الله
الرحم الرحيمين لباك واقفين وعبد الصالحين C'est une confrérie qui est fondée sur le rire et sur la dérision. L'amusement, enfin, on rigole jamais autant que dans une lila, enfin, on plaisante constamment. Et c'est une vérité dans toute l'Afrique, les degrés les plus hauts de l'élévation spirituelle. C'est ceux qui savent, qui rient et qui savent rire. Contribue à rendre plus réel l'irréel, à rendre visible l'invisible. Donc, tout ça, c'est des attitudes du corps pour rentrer en contact avec l'invisible. Et ces facilités presque ontiques qu'ils ont de se promener, comme dirait Freud, du conscient à l'inconscient pour voir finalement ce qui est un blasphème pour un orthodoxe, pour voir Dieu finalement. Et ça, c'est inconcevable. Seul pour les religions monothéistes, Abraham ou Mahomet ou Jésus pouvaient se permettre de voir la face de Dieu. Eux, il leur suffisait de faire un fichu rouge et noir et de voir Dieu, et ça, c'est magnifique. La magie du chiffre 7 explique pratiquement la naissance de l'univers et sa structure. Et donc, tout est en correspondance quelque part avec les 7. Le monde est né en 7 jours, il est né avec 7 couleurs, et il est né avec 7 éléments, alors le froid, le chaud, le sang, le lait, etc. Et alors, et c'est cette cosmogonie qui explique, à mon avis, au-delà du fichu, au-delà de la danse, au-delà du geste, au-delà de la musique, qui explique le culte des Gnawa, et qui explique aussi la façon avec laquelle eux-mêmes se sont adaptés, donc le syncrétisme religieux, aux croyances berbères locales, donc en y intégrant dans leur propre culte les saints musulmans et berbères locaux. Allah
دافير لهم دافير رجال البلاد داخلين تسريب خارجين تسريب بحال يجمعوكم الله يجمع شملهم الله يقضي غرضهم الله يكفيهم بالنيه الله يكمل مرغوبهم. Dalila, c'est des cohortes de génies qui se relaient à chacun, correspond à une couleur différente. C'est une structure extrêmement complexe, puisque chacune des cohortes comprend elle-même cette entité spirituelle. C'est pourquoi le rite de possession dure longtemps, à travers toute la nuit jusqu'à l'aube. Il faut se couvrir par la couleur du melk qu'on invoque. Se baisser la tête, c'est une sorte de présentation de soumission à cet esprit possesseur. Se mettre en position d'être chevauché par cet esprit. Et la plupart des clientes des Gnawas sont des femmes. Ils viennent pour des tas de raisons qui sont liées à l'accouchement, qui sont liées à la stérilité, qui sont liées au mauvais sort, qui sont liées à beaucoup de choses. Un adolescent, il passe une crise terrible à 17-18 ans, une crise d'adolescence comme on dit, et que c'est interprété localement par des concepts qui ne sont pas freudiens. L'adolescent est mal au point parce que la nuit, en passant par la ruelle, il a dû enjamber les petits esprits ou quelque chose comme ça. C'est une sorte de désorganisation de l'ordre cosmique, une désorganisation des sept couleurs qui composent finalement un être avec ses affects, ses tempéraments, etc. Et la lila, c'est en quelque sorte une remise en ordre des sept couleurs, donc c'est une remise en ordre des éléments enflammés, sanguins, etc. qui le composent. Et ça rejoint un peu la croyance paysanne, quelque part on a déplu aux dieux. Et les dieux en colère ont fait du mal et à la nature en la desséchant et en apportant la mort aux bêtes et aux animaux et aux plantes. En principe, a toutes ses couleurs en lui, mais avec une prédominance d'une couleur qui fait qu'on reconnaît, qui lui donne son caractère et son comportement habituel. S'il est blanc, il sera attiré par le lait, par la laine, il portera sur lui le blanc parce qu'il sait que c'est la couleur qui le protégera. Le blanc, c'est le lait et le sperme, matériellement parlant. Mais c'est surtout le souffle, c'est l'esprit, dans le sens que les chrétiens diraient le Saint-Esprit. صغير ما كانش عندها هي الاولاد كانت مربياني هي دايرني بحال ولدها ولكن الساعه اللي تتكون هي تتكون هكا طبيعيه الساعه اللي تيوصل هذاك الطرح ديالها باش تتجذب تيتشرموا ليها بالعينين وتيخرجوا تيتقلبوا تتولي تتخلع تولي خايبه في ذاك المنظر ديالها انا نعس في حجره بحال هكا الساعه اللي نزل المعلم على ذاك الطرح ديالها تقلبت هي وطبيت انا فقت من النعاس هي مرت خالي عزيزة عليا زعما وليا مي بحال مي عندي شي ربع سنين هكا كل 3 سنين ونص ولكن حيت تنشوف في وجهها تتخلعني
وبقيت بحال هكا كنغوت وخايف منها وشبر بها حتى تعرست انايا طحت واحد الوقت هذيك الوقت هزوني هكاك طاحت هي بقات تجذب الساعه اللي فقت قالوا لي راه ولدك راه وقع ليه وقع ليه انا ما عقلتش ديك الساعه هزوني دخلوني لعند هذيك المقدمه هي عندي هي مطبه بكي وجابوا واحد الفروج دبحوا عليا وغطوني بداك الكحال وداك الشيء صافي هذيك طلقني الحال فقت ولكن خصها نهار تكون غادي الليله نمشي ويلا ما نمشيش نمرض يا بابا ياكيني والله يا ليلى الله يا بابا ياكيني يا دار والسودان قد يا بابا ياكيني والله لا اله الا الله يا بابا ياكيني والله يا الله ربي بولاي سيدي ربي بولاي هذا ميتين ولا هذيك الوقت هذا ولات حرفه ولات خدمه ما هذيك الوقت ما كانتش خدمه كانت غير ولاعه ونادم تتقول لي فين غادي يقول لك غادي نتصنت على المعلم فلان نقصر مع المعلم فلان كاينه الليله عند المعلم فلان بغيت نمشي نتفرج دابا تتقول لي فين غادي تقول لك غادي خدام مهول على غادي خدام بغي يجيب الفلوس وانت اللي في الدار غادي خدام هذيك الساعه لا مازال تتجي انت وتتفرج وتخدم وتجذب وتزيد الفلوس est sorti et a roulé sur le monde, elle est devenue de toutes les couleurs, comme un prisme qui a capté cette lumière et l'a diffusée en sept, les sept couleurs de l'arc-en-ciel, et qui ont donné chacune sa spécificité à l'univers. Le soufisme est fondé d'abord sur l'extase. Il est, sa source, c'est l'Orient. Et Gnawa, c'est l'Afrique noire quand même. C'est quand même la transe et non pas l'extase. C'est le rite de possession et non pas le soufisme. Les Gnawa ont certainement intégré quelques éléments du soufisme populaire, mais en les africanisant. على أهلي محمد هادي ألسيدنا محمد الحبيب مولاي محمد اللهم صلي حقيقة فاجي عليا كل ذيقة محمد L'islam au Maroc est un islam tolérant, respectant la diversité et la richesse du pays, aussi bien dans sa culture que dans sa spiritualité. Il y a eu des gens qui sont élevés contre ce qu'ils appelaient, entre guillemets, le charlatanisme. À chaque fois qu'il y a une flambée au niveau international de l'islamisme, ça fuse, mais ça n'a jamais pris une dimension officielle, parce que c'est quand même quelque part l'identité du pays qui est en jeu. Allah, 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 Allah
Sorte de mort préalable quand le possédé tombe en transe, il se vide, son âme part et elle est remplacée par la couleur, par l'âme de la couleur qui le fait danser et autres, et ensuite, et ça c'est le Gumbri, c'est le rôle du Gumbri de savoir la porter, enfin la conduire et ensuite la faire partir. Deux sortes de bleus, il y a un bleu foncé et un bleu clair. Un bleu foncé, c'est la mer, et le bleu clair, c'est le ciel, c'est-à-dire le bas et le haut. Et toujours, on va naviguer entre ce bas et ce haut par ce mouvement de respire que je vous disais, qui est de tout l'univers. Comme quand on fait bouillir l'eau, la vapeur monte au ciel et retombe en pluie. Alors, Moïse, c'est celui qui a fait sortir les gens d'Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'il a fait sortir le monde de l'eau. Et on le danse avec un bâton, qui est la rame, avec un bol d'eau par terre, hein, qui est l'eau, qui est de la mer. Le danseur, à un moment donné, met son bol d'eau sur la tête, et puis danse et nage. C'est l'idée de faire sortir les âmes de l'eau. Thank you.
j'arrivais complètement recouvert de coquillages du bord de la mer et j'avais des langoustes, des trucs, des fruits de mer partout et du sable qui me recouvrait. Et genre, c'était crié, mais il m'a dit, madame, ton mec, c'est Sidi Moussa. Mais tu es de Moussa, oui, tu es de Sidi Moussa. C'est une façon de dire que je suis très marin de poésie, très marin d'esprit, très marin par la nature des choses. La mer me manque, mais évidemment, moi, je ne tombe jamais en transe. Mais je suppose que dans la culture des femmes et des hommes qui réagissent et qui tombent en transe, c'est lié à, d'une certaine façon, à leur tempérament. C'est le sang, c'est l'égorgement. C'est une seconde naissance, c'est la naissance du monde qui va amener l'homme vers la résurrection. Les femmes peuvent danser devant les hommes. On est dans une situation définie dès le départ comme une situation où on a un rapport avec le sacré. Donc, les regards qui peuvent, disons, être portés sur, de la part d'un homme sur une femme ou d'une femme sur un homme, normalement, d'une situation qui est en rapport avec le sacré, ne doit pas se produire. Bon, il y a des hommes qui ne veulent pas du tout que leur femme danse devant les maîtres musiciens. Toutes les lilas que j'ai vues, auxquelles j'ai assisté, c'est mixte. Mais attention, quand c'est mixte, c'est pas comme une piste de danse dans une boîte de nuit. C'est chacun est avec son melk, en fait. C'est pour ça qu'on recouvre la personne avec un voile, parce que c'est un peu préservé ce rapport qui se produit. Elle est habitée. À ce moment-là, elle est possédée, elle est habitée par un melk. Et il va y avoir ce qu'on appelle une alliance entre la personne possédée et l'entité surnaturelle. Par exemple, il y a des femmes pour lesquelles le melk exige qu'elle interrompe les relations sexuelles avec s'ils ont été mariés. Le melk, à la fois, il la possède dans tous les sens du terme. Hey.
نهار عقلت نهار زعما وصلت سن الرشد وانا عزيز عليا الجميل. انا كانوا تيقولوا لي في ديك الصغر اللي مشيتي قبولي الجنان ريس تصاوري ولا خدمتي ولا وانا كان عزيز عليا بزاف. كنت انا في نهار تعلمت من المغرب كنت نبحث على شي حاجه اخرى خاتا قناويت وانا كنبحث فوق تا قناويت. لا الارتيست شي جرو تجرو هو الفن سبنا دميلا اسمع شي حاجه شي حاجه اخرى زايده من ناحيه موسيقى راتي خصو يمشي لها. C'est entre les deux tout le temps, ça joue avec cette chose-là, d'être entre les deux. Et en même temps, c'est vraiment physique. Quoi. C'est le plus physique du monde, ce rythme-là. J'aime bien d'autres musiques du monde, j'aime beaucoup la musique indienne, j'aime beaucoup le rock'n'roll, j'aime beaucoup le blues, mais il n'y en a aucun qui arrive à ce niveau, à cette force physique de rythme. Ça fait penser vraiment à l'Afrique pure. C'est très rythmique, le Gimbri. Et il y a aussi cette chose que j'adore aussi dans cette musique, qui est ce côté hypnotique. Et en même temps, il y a toujours ces mélodies qui sont romantiques et nostalgiques. C'est craquant. Possédés par des blouks juifs. Alors, ils vont organiser des cérémonies spécialement, on n'invoque que les blouks juifs. Bon, avec un rituel précis, par exemple, on va dresser une table avec des plats cuisinés selon la cuisine traditionnelle juive. Mais on peut aussi invoquer les septines à la fin d'une lila, lorsque quelqu'un est possédé par un melk juif. Et il faut le satisfaire. Il y a des malhommes qui disent, nous, on ne joue pas les septines. Parce qu'on boit du vin, on a de l'alcool. Et puis, nous, on fait ça, on ne fait pas ça.
la forêt, les gens de la forêt, les Gnawa appellent ça les gens de la forêt, c'est la partie la plus africaine du rituel. Alors là, évidemment, les entités invoquées ont des noms africains. Les danses et la gestuelle, ainsi que les accessoires utilisés, rappellent un peu les chasseurs, la forêt. Et ce sont la catégorie des Mlouks la plus redoutée. C'est très important, les Gnawa. Je dois vraiment les remercier parce que c'est en écoutant leur musique pour la première fois que la rythmique africaine m'est rentrée dans les oreilles. Ça m'a complètement vrillé la tête. Et bon, j'étais peut-être pas en transe, mais c'était une sorte de quelque chose qui approchait. Et ça a dénoué des nœuds qui étaient en moi. Et ça m'a vraiment décidé même à faire de la musique après. Pour moi, ça a été le début d'une aventure incroyable. Et Essaouira, c'était une ville complètement magique. Et tous les voyageurs déteignaient énormément sur les Marocains, et les Marocains, évidemment, déteignaient beaucoup sur les voyageurs. C'était vraiment, il y avait une osmose entre deux peuples. Tout ça, c'était un peu l'air psychédélique. On entendait Hendrix partout dans les cafés. Il était omniprésent. Il n'y avait pas que lui, d'ailleurs. Les Stones, les Beatles, on écoutait à l'époque toute cette musique. C'est ça qui était étonnant, c'était d'arriver dans cet endroit qui n'avait plus rien à voir avec ce qu'on connaissait, et de retrouver malgré tout ces musiques, et qui étaient, les Marocains étaient les premiers à l'apprécier. Il n'y avait pas encore le reggae à l'époque, mais Hendrix, c'était sans doute le musicien qu'on entendait le plus. Là maintenant dans la ville, on entend la musique Gnawa, c'est le festival, on entend partout. À l'époque, c'était plutôt Hendrix qu'on entendait, c'était pas les Gnawa. Je pense pas que Jimi Hendrix ait été influencé par les Gnawa. Bon, ça n'engage que moi, mais par contre, la musique qu'il fait, elle est en filiation directe avec celle des Gnawa. Je sais pas, la première fois que je suis venu à Essaouira, j'étais à l'auberge Tangaro là-bas, et j'étais en train de jouer, et il est passé un type, d'ailleurs c'était Pascal Hamel que j'ai rencontré, avec qui j'ai parlé plus tard, et qui passe devant la terrasse et qui me voit jouer sur le lit comme ça, et il me dit: tu sais que Jimi Hendrix a joué sur ce lit. Et j'étais explosé de joie. Si on réfléchit bien, oui, il a pris beaucoup de choses à cette musique, je pense. L'époque Band of Gypsies, quand il prend une phrase de guitare et qu'il la refait. Toutes ces choses, ça me fait penser un peu à ça. Moi, il a écouté bien et il a fait sa guitare. Et comme
commence à apprendre des rythmes guinéens. Beaucoup des écrivains, beaucoup de gens qui viennent sont à Diabat, on joue les guembris, on joue la soirée des Gnawa, on fait le feu, on fait tourner entre nous, on joue bien toute la soirée. Et parmi ces œuvres, Jimi Hendrix aussi était avec nous. Il a aimé beaucoup Gnawa. Moi, je parle pas en anglais, tu sais. Il m'a écouté parce qu'il était un café hippie ici à Sawera. Il m'a écouté pas comme ça. Il a venu chez moi comme ça. On a fait la musique. Lui, il a senti le guimbri comment, tu sais. Il a joué avec moi vraiment quelque chose de bien. Cet homme-là. Tous maintenant heureux parce que tous, ils travaillent avec les Européens, avec tout ça. Mais avant qu'on était ici à Gnawa, ici à Sidna Bilal, Al-Zawiya, comme ça, ils disent non pour les Européennes, non, mais maintenant ça ouvre comme ça, tu sais, avec une grande queue. Ma mère, elle est un Gnawa, à Marrakech. Maintenant, elle vivra avec moi en Amérique. Toute ma famille est en Amérique maintenant. Je rencontre Don Cherry en 1988. On a fait une tournée à l'Europe avec la musique de The Gift of the Gnawa. Et The Gift of the Gnawa, c'est en arabe, c'est le hadia. Et en français, c'est un cadeau de Gnawa. Il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent voir la musique traditionnelle. Et maintenant, je le mélange avec d'autres musiques comme reggae, hip-hop, rap, funk, blues, jazz. Pour les gens qui aiment le jazz, pour les gens qui aiment le reggae, et quand ils écoutent la musique, ils disent « cette musique, elle vient d'où ?» Alors, elle vient de la Gnawa traditionnelle. Après, ils écoutent ça, ils disent « oh, je veux le voir, le traditionnel. » Tu sais? Et c'est ça, je fais la publicité pour les Gnawa. Là-bas. Ensuite au blouk féminin. Alors ça c'est l'accord des femmes, les Gnawa disent la yalat, c'est-à-dire les femmes. Et chaque melk féminin a sa couleur. Par exemple, la lamera est le jaune. La lamera c'est une femme coquette. Donc il va y avoir du parfum, on distribue des bonbons, des chewing-gums, et on asperge les gens avec de l'eau de Cologne. Généralement les femmes qui sont possédées par la lamera, ils ont des crises de fou rire. Les Gnawa vous disent
on travaille le fer jusqu'à la fin. Et l'homme qui est son propre forgeron, c'est-à-dire il se travaille lui-même, jusqu'à arriver au matin, c'est-à-dire au jaune, c'est-à-dire la lumière du jour, une nouvelle lumière, une nouvelle couleur vivante. L'homme ressuscite, et s'est affiné lui-même sur son travail sur lui-même, et s'est recomposé, s'est resitué, s'est reconstitué. Il a été partagé en sept, les sept autres se sont rassemblés, les sept autres parties, si vous voulez, en miroir, se sont rassemblés, et ça a redonné un nouvel univers, parce que l'homme et l'univers, c'est la même chose, un nouvel univers reconstitué qui est symbolisé par les jaunes, l'or, le sucré et les vivants. Depuis quelques années, on entend de plus en plus parler de la musique nawa. Il y a des groupes comme l'Orchestre National de Barbès qui ont vraiment mis devant cette musique, puisqu'ils sont vraiment très, très influencés par les Gnawa. Il y a aussi ce groupe qui s'appelle Gnawa Diffusion, qui est peut-être moins Gnawa, mais qui en tout cas en a le titre. C'est sûr que la musique Gnawa, elle vend en poupe en ce moment. La spécificité de Aïcha Kondisha, c'est qu'elle avale toutes les couleurs. C'est-à-dire, c'est une sorte de fin de la création telle qu'elle est, si vous voulez, pour retourner vers le vide où Dieu seul réside. C'est celui que Mohamed, où est arrivé Mohamed lorsqu'il a traversé les sept cieux. Il est arrivé à un endroit où il a dit, il n'y avait plus rien, j'ai cru que tout avait disparu et je me suis trouvé à deux arcs de la présence de Dieu. Lam's Lech.
اللهم انك في يا جامع الوحدة.